nager en plein échec. Il était enragé contre la planète. Il était devenu comme un fruit sec. Il n'avait pas l'air d'un gars dans son assiette. Il avait l'air d'un gars découragé en plein échec. Il était enragé contre la planète. Il était devenu comme un fruit sec. Et Pedro ne pouvait pas y arriver car il était bloqué au même niveau. Et depuis des années, il était comme un mulot, toujours prêt à s'échapper en cas de danger. Il était comme un piccolo quand il embarquait dans son canot qui se remplissait d'eau. Il ne savait pas nager, il n'était pas bien protégé. Il avait passé sa vie à sauver. Il n'avait pas l'air d'un gars dans son assiette. Il avait l'air d'un gars découragé en plein échec. Il était enragé contre la planète. Il était devenu comme un fruit sec. Il n'avait pas l'air d'un gars dans son assiette. Il avait l'air d'un gars découragé en plein échec. Il était enragé contre la planète. Il était devenu comme un fruit sec. Mais ses problèmes lui ont rattrapé. Il ne savait plus par quel chemin passer. Donc il évolua vers un destin tragique. Il était traqué, il était comme un jus de pique. Il était tanné, mais il était alcoolique. Et pas assez de volonté, mais assez pour se patenter un alambic. Il était magané. Sa femme s'appelle Monique et son problème c'était d'amener. Il n'avait pas l'air d'un gars dans son assiette. Il avait l'air d'un gars découragé en plein échec. Il était enragé contre la planète. Il était devenu comme un fruit sec. Il n'avait pas l'air d'un gars dans son assiette. Il avait l'air d'un gars découragé en plein échec. Il était enragé contre la planète. Il était devenu comme un fruit sec. Son malheur continue de perdurer depuis que sa femme l'a quitté. Monique est partie avec sa grosse télé et tous ses électroménagers. Pedro était floué et seul avec sa bouteille. Dans les machines, il allait tout dépenser de ce qui lui restait de son semi-détaché. Il n'avait pas l'air d'un gars dans son assiette. Il avait l'air d'un gars découragé en plein échec. Il était enragé contre la planète. Il était devenu comme un fruit sec. Il n'avait pas l'air d'un gars dans son assiette. Il avait l'air d'un gars découragé en plein échec. Il était enragé contre la planète. Il était devenu comme un fruit sec.